besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que « tous ont péché » et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Сени курсагына көтөрүп эмизген эне бактылуу. Кудай сөзүн угуп, аны аткаргандар андан да бактылуу. Жахия шакирттерине үйрөткөндөй бизге да сыйынын үйрөт. Сыйынганың ардамындай дегиле. Асмандагы атабыз, сенин атың урматталсын. Сенин падышачылыгың келсин. Сенин эркиң асманда болгондой, жерде да болсун. Күнүмдүк наныбызды бизге бере көр. Бизге жамандык кылгандарды кечиргендей, биздин да күнөөлөрүбүздү кечир. Азгырылуубузга жол бербе. Бизди жамандыктан сакта. Ыйык жазууда Кудай Теңир дүйнөнүн куткаруучусу боло турган Машаякты жиберери айтылган. Ыйсанын жашоосу ал чын эле пайгамбарлар ким жөнүндө айтса, ошол экенин күбөлөндүрүп турат. Ышая пайгамбар кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт деп айткан. Арадан бир нече кылым өткөндөн кийин Ыйсанын Марьям деген кыздан төрөлүшү ушул пайгамбарчылыктын аткарылышы болуп эсептелет. Жазууда Ыйсанын кереметтүү төрөлүшү, Кудай Теңирдин жышааны экени, бул бала Кудай Теңир, менин уулум деп атаган Машаяк экени айтылган. Ыйса жасаган кереметтер аркылуу адамдар Кудайдын күчүн көрүшкөн. Ал адамдарды айыктырып, алар түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн күнөөлөрүн кечирген. Ал бүт адамзат үчүн өзүнүн канын төккөн, анан өлүмдү жеңип, кайра тирилген. Ыйса Машаяк, менин өмүрүмдү берүүгө жана кайра алууга бийлигим бар деп айткан. Ыйсанын жашоосунда пайгамбарлардын айткандары гана аткарылбастан, ыйык жазуунун чындыгы экени да далилденген. Жазууда чөптөр куурап, гүлдөр соолуйт, Кудайдын сөзү болсо түбөлүк жашайт деп айтылган. Ыйса өзү, асман менен жер жок болот, бирок менин сөздөрүм өз күчүн жоготпойт деген. Ыйса бизге чыныгы өмүрдү бергени келген.
Адам Эйден багында өзүнүн жаратуучусунун тилин албай койгондо, өзүнүн жолун тандап алган. Ошондуктан жаратуучусунан бөлүнүп калган. Ыйык жазууда бардыгы күнөө кетиришкен жана күнөөнүн жазасы өлүм деп айтылган. Бул рухий өлүмдү Кудай Теңирден түбөлүккө ажырап калууну билдирет. Кудай Ыбрайымдын уулу үчүн кочкорду курмандыкка чалгандай эле биздин күнөөлөрүбүз үчүн Ыйса Машаякты жиберген. Анын өмүрү, өлүмү жана кайра тирилүүсү Кудай менен жана андан үмүт кылгандар менен болгон мамилени калыбына келтирет. Эми Ыйсанын артынан ээрчигендердин күнөөлөрү гана кечирилбестен, алар Кудайдын түбөлүк сотуна барышпайт. Алар бейиште болобуз, Кудай менен түбөлүккө бирге жашайбыз деген ишеними бар. Кайра тирилгенден кийин Ыйса өзүнүн жолдоочуларына ким ага кайрылса, Кудай алардын күнөөлөрүн кечире турганын, ошондой эле жолдоочуларына чындыкты көрсөтүп, Кудай жолу менен жашаганга күч бере турган ыйык рухту жиберерин айткан. Ыйсанын жолдоочусу болушубуз үчүн биз анын курмандыгын кабыл алып, Кудай Теңир бизди тазалап, өзү каалагандай кылып өзгөртүшүн суранышыбыз керек. Адамдар Ыйса Машаяктын жолдоочулары болгулары келсе, ага жөнөкөй эле сыйынуу менен кайрыла алышат. Балким силер азыр өзүңөрдүн өмүрүңөрдү Кудай Теңирге тапшыргыңар келеттир. Эгер ушундай каалооңор болсо, анда минтип сыйынгыла. О, Кудай, сен ыйыксың жана улуусуң. Мени сүйгөнүң үчүн сага ыраазымын. Сенин буйруктарыңды аткарбай, сага каршы күнөө кылганымды кечир. Менин күнөөлөрүм үчүн курмандык кылып, Ыйсаны жибергениңе жана анын өлгөндөн кайра тирилгенине ыраазымын. Ушул курмандык аркылуу мени татыктуу жазадан куткарганыңа рахмат. Мен Ыйсаны Теңирим жана куткаруучум деп кабыл алам. Менин күнөөлөрүмдү кечирип түбөлүк өмүр бергениңе ыраазымын. Мага ыйык рухуңду жиберип, сенин жолдоруң менен жүргөндү үйрөт. Мени кандай болушумду кааласаң ошондой кылып өзгөрт. Сенин ысымың бүт жер жүзүндө даңктала берсин. Амин. Ыйса жолдоочулары жөнүндө. Менин койлорум менин үнүмдү угушат. Мен аларды билем, алар мени ээрчишет деген. Ыйса убада кылган баталы өмүргө ээ болуш үчүн анын жолдоочулары сыйынып жана ыйык жазуудагы анын сөздөрүн окуп, аны менен сүйлөшө алышат. Ыйса жөнүндө башкаларга айтып берип, аны сүйүп, артынан ээрчигендер менен жолугуп турушат. Алар анын атасына кетип жатканда берген убадасын унутушпайт. Асмандагы жана жердеги бийликтин баары мага берилген. Дүйнөнүн акырына чейин мен силер менен болом.